Bonjour, je souhaite partager avec vous aujourd'hui une vidéo des travaux, des petits travaux hein, faits sur une cuisine. Ça consiste en quoi? La photo que vous voyez sur la première photo là, qui est affichée, c'est l'état de la cuisine juste avant, c'est-à-dire avec les meubles posés ainsi que le plan de travail. Mais si vous voyez bien, sur les murs, il n'y a pas de crédence, on ne protège pas, les murs ne sont pas protégés. Donc l'objectif, c'est de poser des crédences adhésives simples et faciles à mettre en place. Cette petite vidéo qui arrive, c'est pour juste voir d'un peu plus près. Donc si vous voyez bien les murs, nous, on les a déjà lavé à la Saint-Marc et on les a laissés sécher. Ensuite, ça, ce qu'on voit ici, c'est une plaque adhésive, pareil, qui a été découpée à la forme de la hotte ou bien sûr à la taille que vous souhaitez de la cuisinière que vous souhaitez mettre en place. C'est facile d'installation, c'est pareil, ça coûte un peu plus de 70 euros. Après, ça dépend des tailles, ça peut être plus. Celle-là, ça fait partie des plus petites, voilà. Donc, il a fallu juste la découper. Bien sûr, quand vous allez découper, vous allez enlever quelques parties adhésives. On va le voir juste après. Pour combler ça, on peut mettre des points de colle au milieu, cachés pour comme ça. On est sûr que ça tient bien. Donc voilà les parties adhésives. Nous, comme on a coupé, donc on a coupé une petite partie des parties adhésives, on a remplacé, enfin, on a rajouté des points de colle pour être sûr que ça va tenir. Donc il a fallu juste enlever la protection des bandes adhésives et puis coller au mur et c'est parti. Bien sûr, mur sec et propre, nettoyé plusieurs heures avant et laissé sécher. Ensuite, là, la plaque, elle a été posée. Ça, c'était la première partie à faire. C'est pourquoi cette plaque, c'est avec cette surface un peu métallisée, c'est parce que votre, on va dire, plaque de cuisson ou autre, voilà, il y a de la chaleur, donc il faut quelque chose qui supporte des températures derrière. Donc ensuite, il y a eu l'achat de petites plaques adhésives, imitation, on va dire, carrelage. Ça, c'est ce que vous voyez, c'est la marque. Ça coûte, je pense, 30 euros les 12, je pense. Donc là, il suffit juste d'enlever le film. Puis c'est la partie qui brille, argentée, qui sera collée au mur. Donc c'est très très facile à couper, c'est très facile à installer. Là, la petite vidéo qui arrive, ça vous explique un petit peu comment il faut séparer les deux parties. Chaque carreau, il fait 20 cm sur 20. Et il suffit juste de poser avec soin. Donc les deux, quand on en a deux qui sont collés côte à côte, ça se chevauche. Donc, pour avoir cette impression d'avoir un carreau et puis un joint blanc au milieu. C'est facile à nettoyer, ça donne un effet, je dirais pas brillant, mais voilà, propre. Donc là, pour la découpe, pour tout ce qui est prise électrique, il faut enlever le cache, couper et puis poser les crédences adhésives. Et puis, c'est fini. Donc voilà, ça c'est à la fin, après découpe, mise en place. Donc nous on a continué sur le mur à droite, mais après ça dépend chacun ce qu'il veut faire. Faut pas hésiter à rajouter entre le plan de travail et les crédences adhésives des joints en silicone blanc, chose que nous on avait faite partout.
ça fait plus propre. Et même pour la plaque qui sera juste à côté de la plaque de cuisson, c'est important de le faire. Ça assure une certaine étanchéité. Donc on l'avait fait partout. Donc ça, c'est le rendu. Le tout, ça prend sans la découpe de la grosse plaque, ça prend à peu près même pas une petite heure, quoi. C'est vraiment rapide, très très facile, et le rendu est beaucoup plus beau. Donc si vous vous souvenez du début, là c'est mieux. Bon voilà, n'hésitez pas à poser des questions si ma vidéo n'était pas claire. Merci.